Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 170 sur MX Réflexion. Et à chaque fois, j'ai la petite surprise de notre intro qui change. J'ai la surprise chaque semaine, ça me fait plaisir. C'est notre producteur juste en face de moi qui nous fait cette petite régalade à chaque fois. L'homme vêtu de noir qui a un touquet à son actif, presque un top 120, mais ce n'était pas le cas. Donc il va falloir qu'il remette le couvert l'année prochaine. Mais pour l'instant, il s'est pris un petit mois de vacances. Comment ça va, Blaise? Ça va très très bien. Ouais, un petit mois où on fait des lives, on fait des vidéos, des changements d'introduction vidéo, on bosse pas mal. On bosse plus que ce qu'on roule en ce moment, mais ça va changer. On va inverser la tendance. Là. Dès qu'il va refaire beau dans nos Pyrénées, ça va rouler. Attention, sortez-vous. Tu Mais donnes des bon, allez, formations en ce tourne-toi. moment, c'est ça? Comment? Tu donnes des formations en ce moment. J'ai vu que tu avais prévu quelque chose 13 et 14 avril avec MX Julie, notre Exactement, photographe. dans la moto encore, mes formations photo dans la moto. Et on va voir d'ailleurs, notre invité ce soir fait pas mal de vidéos, donc on va en parler aussi. On va parler de ça ce soir, on va parler de photos, de vidéos, de motocross, de supercross, de beaucoup de choses. Nico, je te laisse le présenter. Ouais, c'est la deuxième fois qu'on l'a avec nous. On s'était régalé la première fois lors de notre premier live, tous les trois. Il fait partie de nos champions du monde français, tout simplement. Son titre remonte à 2014. Il est actuellement 13e du championnat du monde MXGP avec un top 10 en Argentine. C'est le grand Jordi Tixier. Comment ça va, Jordi? Bah écoutez, ça va, hein, bien occupé ces dernières semaines parce que bah, le championnat a repris. Donc voilà, à droite, à gauche, un petit peu aux quatre coins du monde, mais ça se passe correctement pour le moment, on est dans nos objectifs, donc ça va. Pour le moment, rien à dire. Comment ça s'est passé pour toi? On va repartir un petit peu sur cet hiver. La préparation justement de cette saison, est-ce que ça s'est passé comme tu le souhaitais? Est-ce que tu as pu faire les choses dans l'ordre comme tu le voulais ou pas? Ouais, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Comme vous avez pu le voir pendant l'hiver, il y a eu beaucoup de changements sur moi perso, sur pas mal de choses. Je travaille maintenant avec Yves de Maria, Love My Training. Donc, on est un petit groupe de bons pilotes. Il y a Stéphane Rubini, Valentin Guillot, deux, trois autres pilotes qui roulent aussi à l'Europe. Du coup, ce qui permet de vraiment se tirer. Ensuite, pendant l'hiver, ça s'est bien passé. On a fait beaucoup de changements sur la moto. Voilà, Yves a vu des choses. Bah, même en étant champion du monde et avec une grosse expérience, des fois, on s'enferme dans des choix qui sont pas forcément bons. Et donc, du coup, pas mal de changements là-dessus sur la moto et on voit que ça commence à porter ses fruits. Donc voilà, là-dessus, c'est cool. Ouais, ça faisait partie des questions que j'avais justement, ça. Quand on a été champion du monde, qu'on a eu ton niveau, comment on fait pour progresser en fait, pour continuer de progresser? Déjà, est-ce qu'on a envie de progresser ou est-ce qu'on se dit, ben non, je vais maintenir mon niveau d'avant, prendre peut-être un peu moins de risques? C'est quoi l'état d'esprit quand on a ton âge, qu'on a déjà été champion du monde et qu'on est un pilote expérimenté? Bah après, tout dépend des objectifs. J'ai envie de dire, il y a des champions du monde qui se disent, ça y est, je suis champion du monde, j'ai atteint mon objectif, et alors j'ai plus rien à prouver et je stagne là où je suis. Pour ma part, j'ai été champion du monde, mais voilà, je suis quelqu'un qui est très compétiteur et toujours à la recherche d'être meilleur. Donc après, il y a eu les années un petit peu compliquées avec pas mal de blessures, tout ça. Et voilà, bien sûr, l'objectif maintenant, c'est plus d'être champion du monde. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste en tant que team privé, ayant son propre team. Se battre face aux usines, c'est très compliqué. Et voilà, à l'heure actuelle, rentrer dans un top entre 6 et 10 en tant que team privé, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, ça, c'est mes objectifs. Après, je pense que pour progresser, c'est la remise en question. La remise en question, elle s'arrête jamais. Et à partir de là, on peut évoluer sur différents points. Pour progresser justement, tu as Yves de Maria, il y a un petit groupe de pilotes. À ton avis, qu'est-ce qui est le mieux si tu devais choisir entre un entraîneur comme Yves de Maria ou un groupe de pilotes on va dire, qui se tire vers le haut ou qui arrive à, ou dans lesquels il arrive à y avoir une émulation? Je pense que si j'avais à choisir, je prendrais Yves de Maria. Tout d'abord, j'ai travaillé et je travaille toujours avec mon père depuis ma jeune carrière. Et je pense qu'il arrive à un moment, on a besoin de mettre un petit peu de sang neuf dans l'équipe, juste pour avoir un œil extérieur et voir les potentiels problèmes qu'il peut y avoir à droite, à gauche.
Et pour moi, ouais, si j'avais à choisir, je prendrais Yves parce que pour son œil extérieur, que ce soit le sport, mais que ce soit sur la moto, comment on arrive le jour des courses, avant les manches, après les manches, etc. Enfin voilà, beaucoup de détails où on pourrait croire que c'est pas grand-chose, mais au final, tout confondu, enfin tout ensemble, ça fait vraiment quelque chose de un step. C'est quoi le rôle de ton père aujourd'hui? Rôle de mon père, il fait partie vraiment du team. Il gère beaucoup le team. Il est aussi mécanicien pour aider le mécano. Et puis il est toujours aussi sur le bord de la piste à 100% pour parce que voilà, son œil est aussi très intéressant. Il peut aussi voir plein de choses de l'extérieur. Donc voilà, son rôle à mon père, il n'a pas trop changé. C'est juste qu'on a rajouté une personne extérieure pour essayer d'évoluer dans l'équipe. C'est déjà L'année arrivé que dernière. des teams, pardon, excuse-moi, je te coupe, Blaise, mais des teams ou des entraîneurs te demandent de venir seul et de pas avoir ton père ou quelqu'un de ton entourage. Est-ce que c'est déjà arrivé ça? Alors, moi personnellement, non, ça m'est jamais arrivé. Après, on a toujours été assez clair sur le sujet. Voilà, en gros, nous, on a toujours travaillé comme ça. Et du coup, c'est soit on est tous les deux, soit on n'y est pas, quoi. Et du coup, bon, moi personnellement, j'ai jamais eu à faire le choix. Donc, du coup, bah, ça tombe bien. Justement, on t'avait reçu l'année dernière, là tu nous as parlé un petit peu de physique avec Yves Demaré, on t'avait reçu l'année dernière juste après le défi que tu avais fait avec Benoît Paturel, un défi où tu avais pas mal pédalé en vélo de route. Est-ce que tu as senti les bienfaits de ce défi au cours de la saison ou pas? Excuse-moi, ça a coupé au moment de ta question. Désolé, je répète rapidement, tu avais fait un défi avec Benoît Paturel, tu avais fait beaucoup de kilomètres à vélo. Est-ce que tu as senti ce bienfait sur la moto, le fait de rouler plus que d'habitude à vélo et de faire du physique comme ça, on va dire poussé à vélo? Honnêtement, non. Ça m'a plus fracassé les jambes plutôt qu'autre chose. Parce que c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de kilomètres à vélo et du coup j'ai repris la moto une semaine après et j'avais les jambes dans des étaux sans arrêt quoi. Donc honnêtement c'était pas le si c'était pour faire un entraînement pour la moto c'était pas le bon entraînement à faire. Voilà. Ouais, c'était bien pour le geste, mais pas pour la saison, quoi, on va dire. Exactement, nous on l'a fait vraiment juste pour ben voilà, pour des associations et des causes qui nous tenaient à cœur. On n'a pas du tout pensé à la saison en faisant ce défi-là. Donc, comme tu viens de le dire, c'était bien pour le geste, mais pas pour la moto. Bon, j'en profite 2 secondes. On a pas mal de personnes qui nous font des coucous de Crète. On a Jean-Pierre qui est dans Crète, Emmanuel qui est au Canada. Donc, tu vois, tu es suivi de nombreux pays. Écoute. Hein. Tous les francophones de France et d'ailleurs sont là et te suivent. Et on a pas mal de questions d'ailleurs qui commencent à arriver avant qu'on en oublie. On a Julien qui nous demande si tu as toujours eu des propositions de team et pourquoi tu as fait le choix de garder ta propre structure. Alors, c'est une question où on pourrait mettre des heures à répondre. C'est vrai qu'on est dans un. À l'heure actuelle, notre sport, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, moi, tout d'abord, j'ai fait le choix de monter ma propre structure parce que j'ai été dans les team usines. Après, il y a eu des blessures. Forcément, on t'oublie rapidement. On va dans des teams un petit peu moins bien. Et là, on se rend compte qu'en fait, avec l'expérience, on essaye d'amener des idées pour justement faire progresser ces teams et que ce soit vraiment des bons teams. Et je pense qu'il y a une sorte de, je sais pas si je peux dire, une jalousie qui s'installe en disant, lui, il arrive et il veut m'expliquer comment faut faire. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Du coup, on n'a pas le matériel forcément qu'on veut. Et du coup, voilà, donc l'idée nous a pris de monter notre propre structure. OK, c'est plus de travail. Mais par contre, c'est une liberté, on fait ce qu'on veut sur les choix techniques, etc., les courses qu'on veut faire, les sponsors qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et à l'heure actuelle, ce que j'ai dit, c'est soit j'ai une proposition d'un team usine, mais sinon, j'irai jamais, je retournerai jamais dans un team B, si on peut dire.
Ouais, toi, tu as goûté déjà un Timusine, tu as roulé pour même le meilleur, tu as roulé pour KTM, tu as été champion du monde avec eux. Tu penses qu'il vaut mieux faire ce que tu fais toi aujourd'hui plutôt que d'être dans un Team B? En fait, c'est entre, si on me dit que le summum, c'est le Timusine, et juste en dessous, tu placerais le team privé, la structure que tu as toi, et encore en dessous, les Team B, ça serait ça la hiérarchie? Honnêtement, avec l'expérience que j'ai, oui. L'expérience que j'ai, oui. Et ça m'arrive de discuter avec des jeunes pilotes de l'Europe parce que je vois comment ça se passe. On est dans le milieu tous les jours, on se côtoie tous les week-ends. Et je me dis, mais putain, mais en fait, t'as l'impression que les teams, ils oublient de mettre l'argent au bon endroit. Voilà, c'est ça le problème. C'est que C'est-à-dire t'as qu'il l'impression que le les met où gars. si t'as des exemples concrets pour ça? Pour ceux qui connaissent pas trop le milieu, est-ce que le bon endroit c'est quoi et le mauvais endroit c'est quoi? Pour moi, les bons endroits, c'est tous les teams usines parce que quand je vois les teams comme KT Red Bull, Gas Gas de Carly, Vilvo, Husqvarna, Nestan, tout ça, c'est des teams comme Ice One, tout ça, c'est des teams. Il y a du matériel, il y a vraiment un suivi pilote, il y a tout ça. Après, tout ce qui est les teams, alors voilà, sans ces teams-là, on ne peut pas non plus cracher dessus parce que sans ces teams-là, il y aura encore moins de pilotes. Donc déjà qu'il y en a de moins en moins. Mais sans ces teams-là, il y aura encore moins de pilotes. Après, c'est juste un choix. Là, on parle juste de choix, un choix de carrière. Donc, un team, par exemple, comme STR, Marchetti, ou un team comme JWR, des teams comme ça, je pense qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le matu vu, comme on dit, pour avoir une grosse structure et que ça fasse vraiment classe. Mais ils en oublient peut-être. L'essentiel, c'est d'avoir des motos qui marchent et des pilotes qui avancent. Voilà, c'est tout. Ça, en tant que pilote, allez, on va dire ligue, on arrive à imaginer qu'en 2,5, il faut une moto qui marche. À 4,50, qu'est-ce qui fait la différence entre une moto d'usine, on va dire KTM, allez, la KTM usine et la tienne? C'est vrai qu'on peut se dire que ta moto avec pas mal de pièces, elle va déjà bien marcher. Les suspensions, tu peux arriver peut-être à les faire fonctionner correctement. Donc, quelle est la véritable différence entre une moto de Airlink, on va dire, et la tienne? Alors moi, pour être honnête avec vous, ma moto, c'est la même que si vous allez dans un magasin, vous roulez avec et vous mettez une ligne d'échappement. Et ma moto, elle est d'origine, d'origine, d'origine. J'ai vraiment rien dessus et c'est pas pour vous mentir. J'ai une ligne et c'est tout. Donc c'est sûr que comparé à une moto d'usine, l'usine, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de pièces spéciales. Il y a des boîtes de vitesse différentes. Ils ont rien que les suspensions fourche 52 à l'avant. Nous, on est en 48. Il y a quand même énormément de choses qui changent. Et c'est pour ça que je dis que de se battre face aux pilotes d'usine, à l'heure actuelle, quand tu fais une place 9 en Grand Prix et que tu te bagarres avec un mec comme Koldenhoff ou des mecs comme Watson, etc., qui ont des motos d'usine, c'est une belle performance. D'accord. On a une question de Nikos sur YouTube qui nous demande si KTM t'a proposé des pièces d'usine pour ta moto. J'ai pas compris, excusez-moi. La question qui s'affiche, du coup, c'est ouais, Nikos qui nous demande si KTM t'a proposé des pièces d'usine pour ta moto. Alors non, j'ai pas de pièces d'usine. J'ai pas de pièces d'usine. Ils m'ont pas proposé de pièces d'usine. J'ai un budget pièce chez KTM. Donc voilà, un budget pièce, que ce soit des leviers, voilà, tout ce genre de pièces-là. Et après, j'ai un budget power parts, ce qu'ils appellent. Et ça, c'est des pièces un petit peu plus spéciales, comme par exemple des grands radiateurs, ce qu'ils ont aussi sur les moto factory, etc. Mais ça ne fait pas partie des pièces usines qu'ils peuvent avoir chez KT. En parlant du team, KT, est-ce que tu as eu un coup de téléphone pour rouler avec la moto de Jeffrey Herlings ou pas? Alors non, j'ai pas eu de d'appel. Et pour la bonne et unique raison, c'est que moi, j'ai un contrat directement avec KTM pour le team JT911, pour mon team. Et du coup, pour eux, il y a un intérêt que bah, je roule sous mon team avec ma moto plutôt que d'aller sur une KT usine. D'accord, et l'intérêt n'est pas plus grand quand même de faire rouler la KT usine que pour un certain temps, on va dire. Non, c'était pas.
Honnêtement, je ne sais pas, ça, après ça dépend des équipes. Je sais que KT, normalement, il remplace très 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 rarement les pilotes. Et on a pu voir dans les dernières années, dès qu'il y a eu un blessé, il n'y a jamais eu un pilote remplaçant. Là, le fait qu'ils aient pris Matisse en début d'année, je ne sais pas, j'ai pas, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Peut-être une blessure plus grave que prévu de Jeffrey. Ils n'ont pas vraiment tout annoncé, etc. C'est difficile à dire. Mais qu'ils aient pris un pilote remplaçant, c'est pas normalement dans leur objectif. D'accord. Toi, ça te. Enfin, est-ce que tu l'aurais accepté? Est-ce que tu aurais pu l'accepter vis-à-vis de tes partenaires ou pas? Alors, c'est sûr que ça aurait été une proposition en or, parce que repartir pilote d'usine, bah, ça aurait été le top, en sachant que bah, je suis toujours resté dans la famille KTM. Je pense que voilà, ça aurait été une négociation à faire, discuter avec mes partenaires, avec leurs partenaires et voir ce qui aurait été possible de faire. Mais une proposition comme ça, c'est difficile de cracher dessus quand même. T'avais refusé, c'était toi, je me trompe pas, tu avais refusé de remplacer Geyser chez Honda, non? Alors, j'avais refusé, oui. Et pour la bonne et unique raison, c'est qu'ils m'ont appelé. Donc, bien sûr, une offre d'HRC, ce n'est pas non plus tous les jours qu'on peut en avoir une. Donc, j'ai été en rendez-vous avec eux, avec les Japonais, tout ça. Et le truc, c'est que en tant que pilote professionnel, en prenant des risques tous les jours, en se levant le matin et en se donnant à 100%, on ne peut pas accepter de rouler pour zéro. Donc, il y a peut-être des pilotes qui le font. Ça, c'est un choix. Je trouve ça malheureux parce que je pense qu'à un certain niveau, on ne doit plus payer. Et voilà, leur proposition, c'était la HRC, mais pour 0 euros et seulement pour quelques courses. Donc, pour moi, c'était trop de risques. C'était trop de risques pour les années aussi futures parce que j'aurais dû casser tous mes contrats avec mes partenaires. Là, c'était carrément changer de marque de moto, etc. Et rouler pour 0 euros, c'était hors de question. Donc, bien sûr, les gens, après, c'est toujours facile de parler en disant ouais, Tixier, il a refusé une offre de HRC, mais faut connaître les tenants et les aboutissants avant de parler. Ouais, toi, tu Ouais, n'étais pas prêt à. Il y a certains pilotes qui font ça, je pense, dans le but de se dire, bon, mais j'investis sur moi-même. Je pense que Mathis Bourramé a eu cette opportunité-là. Je ne sais bien sûr. pas s'il avait un salaire de la part de KTM. Enfin, j'en sais rien du tout, très honnêtement. Mais peut-être qu'il aurait pu le faire gratuitement en se disant, ben, j'investis, je mets tout là-dedans. Si jamais ça me permettra de me faire repérer, pourquoi pas de rester la saison suivante chez eux. Est-ce que certains pilotes peuvent se dire ça, par exemple? Oui, bien sûr, parce qu'un cas comme Matisse, c'est encore différent. Matisse, il est sorti du 2,5 et malheureusement, il n'avait plus de guidon pour cette année. Donc là, bien sûr, une offre comme ça, même si on te propose pour zéro, tu y vas et tu dis, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, je profite du moment, ça marche, tant mieux, ça m'amène sur quelque chose, ça marche pas, et bah, j'aurais roulé quelques courses sur la KT Usine, j'aurais fait mon max et je me serais fait plaisir. Après, moi, je suis quand même dans une autre situation. J'ai mon team, mes sponsors, je gagne quand même un petit peu ma vie avec le team, etc. Donc j'ai rien à. Pour moi, il y avait pas de. Ça valait rien d'aller faire ça, quoi. Justement, on a une question de Bobby et j'avais un petit peu la même. C'est avec toutes tes activités, est-ce que tu arrives à rester concentré sur ton pilotage et ton entraînement ou est-ce que ça, parfois, c'est difficile de tout concilier? Alors, j'y arrive parce que j'ai la chance d'avoir une famille. Et une copine à 200% derrière moi. Donc, bah, tout le monde connaît sa partie, gère sa partie et surtout m'aide beaucoup sur plein de choses. Donc, du coup, je dois dire que oui, moi, j'arrive à me concentrer à 100% sur mes entraînements, le jour des courses aussi. Et eux gèrent le reste. Donc, franchement. J'ai la chance d'avoir ça parce que c'est vrai que sans eux, ce serait pas possible. Donc voilà. On On a avait une Farid qui question. nous demande, parce qu'on est dans le live MX Réflexion, et on nous parle du Touquet dans chaque live, et des 24 heures de Bretagne aussi, ça va pas tarder à arriver, je préfère te prévenir. Le Touquet, est-ce que ça te brancherait un jour? Alors, comme on dit, ne jamais dire jamais. À l'heure actuelle, non. Je dois te dire que c'est une course que j'adore.
parce que quand je le vois, je kiffe. Enfin, je regarde tous les ans à la télé et je me dis, ouais, pourquoi pas, mais je sais pas, il faut voir, comme on dit, pour le moment, mon objectif principal, c'est vraiment les Grands Prix. Donc, c'est difficile de se projeter sur pourquoi pas un jour le Touquet. Mais ça pourrait faire partie d'un des objectifs de ma carrière. Pourquoi pas? Une question, Pas je reviens sûr. sur ton team. Question de Kevin ou Charlotte, ou les deux d'ailleurs, qui demande comment, en montant une petite structure comme la tienne, tu arrives à en vivre. Il te félicite. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour une structure? Déjà, pour un pilote comme toi, pour on va dire, monter une structure, pour arriver à en vivre et pour arriver à faire des GP qui, j'imagine, coûtent quand même assez cher. Bah écoutez, déjà, comme j'ai dit au début, nous d'avoir une petite structure, c'est pas le problème. On n'est pas dans le truc, il faut absolument qu'on montre qu'on a quelque chose de gros, etc., etc. C'est pour ça que on fait les choses simples avec un petit camion, un Barnum ou deux, quelque chose de propre parce qu'il faut quand même représenter une marque et des sponsors professionnellement. Mais après, voilà, nous, l'argent, on essaye de le mettre dans tout ce qui coûte, hein, tout ce qui est gasoil, péage, les déplacements, payer un mécano. Tout ça, c'est des coûts qu'on n'a pas le choix. Donc comment on fait? Bah, on fait comme les gros teams, sauf que les budgets sont vraiment restreints parce qu'on n'a pas tout ce que payent les gros teams avec les semi-remorques, etc., etc. Donc voilà, la recherche est toujours compliquée l'hiver, hein, trouver les sponsors pour pouvoir budgétiser la saison, parce que comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'une saison de Grand Prix, ça coûte. Mais voilà, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai des sponsors qui me suivent depuis plusieurs années, vraiment à 100%, et que je remercie, parce que bah, sans eux, ça ne serait pas possible non plus. Et voilà, chaque année, on recommence et ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on espère que les résultats suivront. On a eu plusieurs fois la question sur ton team, est-ce que tu comptes l'agrandir? Est-ce que tu comptes accueillir plusieurs pilotes ou c'est simplement pour toi que tu le fais actuellement dans un but d'obtenir des sponsors? Alors, le but, ouais, ça serait pourquoi pas de s'agrandir parce que, j'aime beaucoup les jeunes, du moins apporter de l'expérience à des jeunes en championnat de France, en championnat d'Europe, 125. Ça serait quelque chose qui pourrait pourquoi pas me plaire à l'avenir. Et à la base, on a fait le team vraiment pour moi, pour que je continue à rouler en Grand Prix. Parce que voilà, on espère et que de très belles choses sont encore possibles. Mais on y pense de plus en plus à pourquoi pas accueillir des jeunes. Du moins un jeune déjà, ça serait cool. Donc voilà, pourquoi pas rapidement dans les années futures. Tu lui ferais faire quoi à ce jeune? Est-ce que tu lui ferais suivre le parcours classique d'un Français, junior, MX2, MX1 en élite, et après basculer sur l'Europe? Enfin, ou d'ailleurs, même pas monter jusqu'au MX1, faire MX2 et Europe. Qu'est-ce que ça serait quoi le parcours d'un jeune que tu accueillerais toi? Alors je pense que déjà, ça serait vraiment un package vraiment 100%, que ce soit programme physique, programme moto, et vraiment l'amener de A à Z, que ce soit voilà, du matin quoi manger ou le soir à quelle heure se coucher quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait parce que voilà, je serais vraiment à 100% avec lui et du coup, c'est aussi très satisfaisant quand il y a un bon résultat ou quoi que ce soit, tu sais que tu t'es donné à 100% et que ça fonctionne. Donc voilà quoi. Voilà, un jeune, ça serait vraiment cool. Après, je pense que le championnat de France junior, c'est quand même une belle catégorie. Après, si je dois changer quelque chose, ça serait aller rouler beaucoup en Belgique, Hollande et pourquoi pas participer au championnat hollandais. Parce que c'est vrai que le championnat hollandais, il y a un très bon niveau. Le sable t'apporte beaucoup, du moins nous en tant que Français, que ce soit techniquement ou physiquement. Et j'ai appris ça avec mes années d'expérience chez KTM.
Parce que quand je suis arrivé, je dois dire que j'étais à l'arrêt, je tombais au moins une fois par tour à Lommel. Et voilà, je suis arrivé à gagner le Grand Prix, non, faire deuxième du Grand Prix en 2014. Donc voilà, ce serait peut-être les choses un petit peu intéressantes à faire avec un jeune pilote. Une question qu'on a eue plusieurs fois sur Facebook et YouTube, c'est est-ce que tu as une idée à peu près de combien coûte une saison à l'heure actuelle avec ta structure? Avec ma structure, une saison complète. Hein. Je parle hiver. L'hiver, la saison, les déplacements, tout, c'est aux alentours de entre 120 et 150 000 euros une saison. D'accord. Mondial et élite, c'est ça? Ouais, saison complète. Ok. Et d'ailleurs, on a une question aussi. Est-ce que tu embauches en ce moment? Parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées. Donc, est-ce que tu embauches, je sais pas, un mécano, un agent, une personne qui peut être dans le team ou pas? Alors oui, parce que justement, on parlait de s'agrandir un petit peu. On aurait des projets qui vont arriver assez rapidement de s'agrandir. Donc on recherche, du moins, on va être à la recherche d'un nouveau mécano. Donc voilà. Ok. Ok. Comment ils te Après, contactent? Où est-ce qu'il faut qu'ils te contactent, les gens? sur Instagram, c'est le mieux, que ce soit sur la page du team ou sur ma page perso. Il n'y a pas de souci, je lis tous mes messages, donc ça sera avec plaisir de lui répondre si jamais il y a. Justement, tant qu'on est à parler de réseaux sociaux, on voit que tu fais des vidéos, tu fais des vlogs. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Parce que, bah, on imagine que cette année, tu as beaucoup de choses à gérer, la structure, les vlogs, l'entraînement, le physique, l'entraînement avec Yves Demaria. Comment tu arrives à faire tout ça et avoir du temps pour ces réseaux sociaux? Les journées sont longues. Les journées sont longues. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a pris une très grosse ampleur. Et d'autant plus, ayant notre propre structure, ça demande une communication assez importante. Et voilà, j'étais pas du tout YouTube à la base. Et il y a eu de la demande via les sponsors pour faire vraiment beaucoup de vidéos durant l'année. Et je me suis dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on se lance dedans. Donc oui, je ne suis pas un monteur pro de vidéos, mais on essaye de faire au maxi. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est un peu de montrer les choses que les gens ne voient pas de l'intérieur. Donc on essaye un petit peu de faire partager un maximum de choses. Donc j'ai pas mal de proches à l'entraînement. Comme j'ai dit, il y a toujours mon père, le mécano, tout ça qui sont là. Donc la caméra, elle passe dans les mains de tout le monde. Je récupère la caméra à la fin du week-end et j'essaie de faire quelque chose. Donc voilà, oui, ça fait beaucoup de choses, mais je prends du plaisir et je pense que ça fait partie du métier à l'heure actuelle. Donc voilà, il faut se fixer des horaires, pas les dépasser et essayer de faire le maximum. Justement, tu vois, avec Nico, on travaille là-dedans. Et c'est vrai que j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. Et je vois que tu essayes de prendre les codes de YouTube avec du vlog. Comment tu l'as travaillé ça? Est-ce que tu as regardé toi-même du vlog pour te dire, bah, attends, je vais faire un petit peu pareil que dans un autre secteur? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement parce que tu regardais déjà beaucoup de vidéos? Alors, j'ai des amis à moi qui font beaucoup de mes vidéos action ou début d'année qui sont vraiment dans la vidéo à fond. Et du coup, je dois dire que j'ai toujours regardé un peu les vidéos moto, les MX Vice, les tout ça. Bien sûr, après, on voit toujours des vlogs de tout le monde, des youtubeurs, etc. Bah voilà, j'ai juste essayé de faire quelque chose qui ressemble au maximum, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai simple quand même, mais essayé. On a Bambino qui nous demande quel est le nom de ta chaîne YouTube. Je pense que c'est assez simple. Bah, c'est Jean-Yves Tixier, c'est tout simple. Jean-Yves Tixier. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui sort demain à 19 h. Voilà, une petite vidéo d'un entraînement de cette semaine en inside avant le Grand Prix du Portugal. Donc voilà, demain, 19 h sur ma chaîne. Voilà. Ok. Ah bah d'ailleurs, c'était la même personne qui commentait tout à l'heure. Il nous disait, Bambino, que dès qu'il a fini son bac pro, il postule direct. Donc tu vas recevoir des CV dans les mois à venir. Eh ben voilà, bah parfait, nickel, avec plaisir.
Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune? On a souvent la question, il y en a beaucoup qui nous disent ah, j'aimerais trop travailler dans cette industrie du motocross, comment il faut faire pour y rentrer? Est-ce que tu aurais un conseil à donner, quel que soit le poste au final? Souvent c'est mécano, on commence comme ça, quand on veut mettre le pied à l'étrier et rentrer dans un team pour assister un pilote. Mais là c'est pareil, c'est un petit peu comme les pilotes. Est-ce que tu penses qu'au début, ben, il faut commencer par le bénévolat, peut-être sur une course de ligue, et après augmenter petit à petit le niveau et se faire repérer? Ou essayer de rentrer ben, en tant que professionnel, se vendre directement auprès des grands teams? Mais je pense que comme tu dis au début, ça dépend un petit peu de ton niveau de mécanicien. Si tu fais tes preuves directement au premier entretien et que tu es une bête, bon bah là tu peux directement négocier pour être payé, etc. Après, je pense qu'en tant que jeune passionné, il faut venir. Et l'idée est vraiment de progresser. Et si tu tombes sur des gens d'honnêtes, et ben voilà, ils te paieront au fur et à mesure, tu auras des bonus en fonction des résultats, etc. Nous, on fonctionne comme ça. En tout cas, si vraiment il y a un jeune qui veut apprendre, on le prendra. Il sera helper au début, comme on dit. Donc, surtout à beaucoup regarder comment ça se passe autour, aider à emmener par exemple à changer les pneus. Il y a plein de choses à faire. Et puis, au fur et à mesure, gravir les échelons. Et puis voilà quoi. Si je reviens sur ton team, qu'est-ce qui te manque à l'heure actuelle par rapport à un team usine? Tu dirais que la chose qui te manque, c'est, si tu devais en citer une, ça serait quoi? Des budgets. Des budgets parce Ça manque à tout le que monde. plus on a de budget, plus c'est facile de faire les choses. Et à l'heure actuelle, on est quand même, je vais dire, pas au max niveau budget parce que c'est de plus en plus compliqué à avoir. Et voilà, c'est la seule chose qui nous manque. Après, on s'éclate. On est un team familial. On arrive aux courses, voilà. Bien sûr, on a des objectifs de performance parce qu'on travaille pour ça toute l'année, mais il y a une bonne ambiance et notre but, voilà, c'est de se battre face aux motos d'usine. Donc, il y a comment on peut dire, une satisfaction personnelle quand on y arrive, quoi. Comme on a fait sur les deux derniers Grands Prix, c'était vraiment cool. On espère que ça va durer, mais voilà, si je devais vraiment dire quelque chose, ça serait un petit peu de budget en plus, pas grand-chose, mais un petit peu plus et ça sera nickel. Ça t'a limité déjà sur cette saison, sur les saisons précédentes, ce manque de budget. Il y a eu des fois où tu t'es dit ah, là, je ne vais pas pouvoir faire ça parce qu'il me manque du budget. Ben, souvent, là où c'est le plus compliqué, c'est pour les Grands Prix Overseas. Parce qu'on sait que les Grands Prix Overseas, ça coûte très cher. Que ce soit pour l'envoi des motos, les billets d'avion, suivant le pays où tu vas, les hôtels, les restaurants. Quand tu emmènes une équipe là-bas, c'est tout de suite 4-5 jours d'hôtel, restaurant midi et soir, etc. Donc on va dire que c'est là où c'est à chaque coup, il y a réflexion et on réfléchit si ça peut le faire ou pas. Voilà. Mais ça, c'est bien pour la transition avec la question débat. Je vous envoie le jingle et on se retrouve tout de suite. Ah, je vous entends pas là. Putain, ça déconne. La question débat. Ça déconne, mais t'inquiète pas. On a mis le jingle pour mettre tout à plat aujourd'hui. Tu vas voir, ça va les chauffer en plus en commentaire. Déjà qu'ils avaient plein, plein de questions. On devrait pouvoir rebondir sur celle-ci. Tu as parlé des overseas. Ça tombe bien parce que. Pour commencer déjà, la question de débat, elle est présentée aujourd'hui par 3AS Racing. 3AS Racing, si vous voulez des fringues, si vous voulez des pièces, comme Blaise Abadie, peut-être pas, mais comme Jordi Tixier, là oui, avec une moto presque usine stock, mais avec des pièces qui vont bien, c'est chez 3AS Racing que ça se passe. Il y a un petit code aussi qui va bien de réduction de moins 10%, c'est 3AS MX Réflexion. Je vous mets ça en commentaire, je vous l'épingle sur YouTube, sur Facebook. Ne vous inquiétez de rien, ne bougez pas d'une miette. La question arrive. La question de débat, les overseas, justement. Et les Grands Prix avec 15 pilotes sur la grille, faut-il arrêter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les teams puissent assurer financièrement et y aller? Et toi, on peut te poser la question, comment as-tu fait pour y aller? Sachant que tu nous disais juste avant que bah, tu demandais du budget, toi, tu aimerais bien avoir du budget. Comment tu as fait pour te financer ce voyage-là et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remplir les grilles? Tout d'abord, les grilles à 15 pilotes, c'est triste. C'est triste en sachant que normalement, on est 40 derrière une grille. On se retrouve à 15 avec 5 Argentins par catégorie, des Brésiliens, enfin voilà, des pilotes qui ne devraient pas être en championnat du monde quand on voit la différence de niveau.
Donc c'est triste. Je pense qu'il faudrait juste mettre des règles pour tout le monde, parce que tu as des teams qui emmènent 3 tonnes, tu as des teams qui emmènent 200 kilos, tu as des teams. Donc voilà, déjà, il faudrait faire une règle où est-ce que tout le monde doit être à la même hauteur sur ces grands prix-là. On a tant de kilos, on ne peut pas les dépasser. On n'a par exemple qu'une moto par pilote avec des pièces de rechange, mais pas 3 motos par pilote, etc., etc., comme font les team usines. Après, moi, pour ma part, c'est voilà, beaucoup de discussions, trouver les budgets à droite, à gauche, et puis la plus petite caisse possible. Nous, on est parti avec une moto et 200 kilos. Donc, en fait, 200 kilos, c'est ce qui offre, par exemple, la société Cell, donc celle qui s'occupe d'emmener toutes les motos dans les overseas, il t'offre 200 kilos. C'est comme ça pour tout le monde. Et donc, la plus petite possible. On a pris une moto, on avait juste un guidon de rechange, même pas un moteur de rechange. Et puis on est parti comme ça. Donc budget restreint, mais au final, on s'est bagarré avec des pilotes qui avaient des motos d'usine, tout ça. Donc au final, on était contents, on a fait un Grand Prix vraiment solide. Est-ce que les teams mutualisent les déplacements? Bobby Lapointe nous demande. Rien du tout. C'est pas Ça serait. possible? Ça, c'est pas possible, ouais. Non, ah, c'est possible, mais personne ne le fait. Allez, Chacun même pour soi. les teams privées, y a pas moyen de faire une entente pour que deux, trois teams se mettent ensemble et mutualisent? Non? Bien sûr, ça serait une idée. Ça serait une idée. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a rien eu, y a rien eu de fait là-dessus. Tout le monde fait vraiment sa propre caisse, ses propres motos. Et tout le monde se débrouille un petit peu là-dessus. Nous, la seule chose qu'on a fait, c'est par exemple pour l'essence, parce que en fait, ils nous imposent des flux d'essence par team. Et moi, par exemple, j'en avais pas pris et j'avais vu avec des teams extérieurs pour qu'on puisse partager l'essence pour le Grand Prix, au lieu d'acheter tous des flux d'essence ou est-ce qu'il va en rester. D'accord. On a eu pas mal de fois la question. Le fait de. Je la retrouve. Hop, ici. Julien qui nous dit un top 10 à MXGP, tu ne penses pas que ça pourrait faire de très bons résultats en amas motocross? Et on a eu deux, trois fois la question par rapport au fait de partir pour la saison motocross. On entend bien motocross US. Est-ce que ça pourrait être une solution pour toi ou est-ce que tu en as envie déjà? Alors honnêtement, j'ai déjà pensé à l'idée. Donc je pense que ça ne se fera pas cette année parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire. Mais franchement, je kifferais bien. Je kifferais bien partir faire 2-3 courses de l'AMA Motocross sur des belles pistes parce qu'ils ont vraiment des pistes de ouf, hein. Et puis voilà, pourquoi pas tenter l'expérience. J'avais fait l'expérience de la Monster Cup qui s'était pas terminée comme j'aurais voulu. Mais voilà, l'AMA Motocross, ça serait un objectif que j'aimerais bien faire avant la fin de ma carrière. Ouais, c'est vrai. Et Florent dit, bon, ça, c'est pas sûr, mais que les primes sont beaucoup plus élevées. Enfin, plus élevées qu'un MXGP, c'est pas compliqué. Mais voilà, après, un Les top 10. primes du promoteur. Les primes du promoteur Ouais, sont prime plus du élevées qu'un promoteur. MXGP, puisqu'on rappelle qu'un MXGP et un MX2 en Europe, c'est zéro, qu'on gagne ou qu'on finisse dernier. Par C'est pas contre, compliqué à avoir plus. voilà. Mais après, au global, est-ce que tu as des infos là-dessus? Est-ce qu'on est mieux payé aux US quand on compte les sponsors annexes et les primes du promoteur? Est-ce qu'on est mieux payé que sur une saison de MXGP comme tu le fais toi? Non, non, on n'est pas mieux payé parce que c'est comme tout, en fait, il y a les premiers. Je veux dire, il y a 5 mecs qui gagnent très, très, très bien leur vie et le reste, il n'y a rien du tout. Donc, que ce soit aux US ou en Europe, c'est la même chose. C'est sûr, quand on parle d'un Tomac, un Cooper Webb ou des trucs comme ça, ou des pilotes comme ça, bien sûr, qui gagnent très, très bien leur vie, mais tout comme un Geyser, un Herlings ou un Keroly. Donc voilà, après le reste du plateau, ça va vite en descendant et il ne reste plus grand-chose pour les autres, malheureusement. Ça serait possible au niveau du calendrier d'aller faire une épreuve là-bas? Tu l'as déjà calculé cette année ou pas? Pas du tout. Non. Honnêtement, j'ai pas du tout regardé, donc je ne sais pas. D'accord, du coup, en fait, ça tiendrait encore une fois au budget, quoi, au manque de budget ou
Ouais, ça tiendra au budget. Après, j'ai deux, trois petits contacts aux US intéressants. Donc voilà, ça serait un. C'est pas un projet qui va se faire du jour au lendemain. Il faudra en discuter en amont et voir ce qui est possible de faire, ce qui est possible de faire. Donc là, à l'heure actuelle, je peux pas répondre à la question. Mais voilà, ça serait un projet en tout cas qui pourrait être cool dans les années futures. D'ailleurs, on parlait de mutualisation tout à l'heure. Tu pourrais mutualiser avec Stéphane Rubini. On l'a eu dans le live aussi. On lui avait posé exactement la même question. Il avait eu exactement la même réponse que toi. Je pense que ça pourrait être pas mal de mettre deux motos et d'aller là-bas rouler et tester Et en embarquer Yves famille. de Maria aussi, du coup. Il faudrait Ouais. prendre le package complet. Embarquer tout le monde. Ouais. Non, mais c'est sûr que de toute manière, dans les grands prix comme ça, quand on voit un team comme Yamaha Geben avec Vlanderen et Jasikonis qui ne se pointent pas au Grand Prix d'Argentine, il faut quand même se poser des petites questions. Je veux dire, c'est quand même des gros teams qui ont un support de Yamaha, quand même, je pense, assez intéressant. Et ils n'ont pas les budgets pour aller en Argentine. Donc, c'est sûr que c'est des grands prix qui coûtent très cher et il faudrait trouver des solutions pour que ça coûte moins cher au team et qu'un plateau de 25 pilotes puisse au moins y aller, quoi. Tant qu'on parle, on a parlé pas mal d'argent, mais c'est sur Instagram, on a eu plusieurs fois la question. Combien ça coûte d'aller en Argentine? On t'a demandé combien coûtait une saison. Maintenant, aller en Argentine, c'est quoi le budget? Alors, ça dépend pour quel team, mais pour un team comme nous, c'est aux alentours de 10-15 000 euros. Pour une semaine, Pour en 4 gros? jours. Ah ouais, petite Un semaine. gros, ouais, vraiment que la course, quoi. Ouais, c'est ça, on est arrivé le jeudi soir, on est reparti le dimanche soir. Donc, tu vois, c'était très très court. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des budgets énormes pour si peu de temps, quoi. Jean-Michel, tout à l'heure, qu'on a eu sur le live, alors j'ai plus la question, mais il nous disait est-ce que la solution ne serait pas de regrouper les overseas, comme ça a été fait pendant le Covid, là, juste après le Covid, sur, on va dire, dimanche, mercredi, samedi, avec des pays limitrophes ou des endroits limitrophes, comme ça avait été fait en Italie. Est-ce que ça pourrait être une solution, tu penses, toi ou pas? Bien sûr, je pense que ça pourrait être une solution intéressante. C'est ce qu'on disait, par exemple, pour le Grand Prix d'Argentine. C'est vrai qu'on est arrivé là et on avait un beau terrain, on avait des gens mais adorables, un public de fou. Et on s'est dit, c'est quand même dommage d'investir tant d'argent seulement pour un week-end. Pourquoi pas rester la semaine et refaire une course le week-end d'après? Donc là déjà ça aurait été un petit peu plus sympa. Donc oui, je pense que ça pourrait être une solution intéressante à l'avenir. D'accord. Il nous reste à peine 2 minutes dans ce live parce qu'on avait promis à Jordi de libérer au bout de 45 minutes. Et on a une dernière question. On la pose à tout le monde cette question. Et parce que tu sais, nous aujourd'hui, on travaille dans le digital avec Blaise. On a une boîte de com. Blaise donne aussi des formations et on refait aussi une petite promo là-dessus. 13 et 14 avril, même si on est complet, on vous promet qu'on refera d'autres formations photographie. On va essayer d'en faire une par mois. Elles seront animées par Blaise et à chaque fois un intervenant qui est dans le milieu, qui est dans l'industrie du motocross ou de l'enduro, peu importe. Et voilà, donc ça, c'est promis, ceux qui n'ont pas eu de place pour cette première session, vous en aurez d'autres. Et pour revenir sur le digital, bon, on sait que tes deux chaînes YouTube préférées, c'est MX Réflexion et Jordi Tixier, mais est-ce que tu aurais une recommandation de chaîne YouTube, Jordi, à nous faire? Ça peut être en dehors du milieu de la moto aussi. Ben, honnêtement, je regarde pas beaucoup de chaînes YouTube. À chaque coup que je vais sur YouTube, c'est pour regarder Lama Motocross. Lama Supercross, pardon. Donc, T'as pas pris l'abonnement à Automoto la chaîne, quoi. J'ai compris. non, même pas. Même pas. Parce que souvent, je suis pas là le week-end. Alors, j'attends YouTube, tac, Lama Supercross Seattle. Là, c'était le dernier. Et puis, je pense que là, par contre, il doit y avoir des heures de passer dessus. Y a pas justement, comme on le disait tout à l'heure, des chaînes que tu regardes juste pour t'inspirer pour tes propres vidéos? Non, honnêtement, non. Non, parce que ça me. Si tu veux, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à la base. D'accord. Donc, oui, j'aime des belles photos, j'aime des belles vidéos, tout ça, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse à faire. Je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Et puis, bah, ça me fait plaisir, du coup, de partager des choses un petit peu inside avec tout le monde. Mais du coup, non, il n'y a pas de chaîne que je regarde.
Les seuls, comme je dis, c'est les rétros des MXGP, AMA Supercross, tout ça, ce YouTube, ça me sert à ça. Bon, Bon. 45 minutes passées de 40 secondes, il faut qu'on s'en aille parce qu'il va nous facturer, c'est un patron de team, hein, je vous rappelle, chers abonnés. Alors, il va nous Et puis facturer ça coûte les cher. secondes. Non, merci beaucoup, Jordi, c'était vraiment cool de t'avoir ben, avec nous, rentré d'Argentine, et ben, c'est parti pour une belle saison, en tout cas, on te le souhaite. Et ben, on se retrouvera en fin de saison, à la limite, pour un top 5 mondial, du coup, pour fêter ça. Bah écoutez, hein, c'est tout ce qu'on peut espérer. Hein. En tout cas, déjà, comme on disait, ce qu'on a fait les 2 derniers week-ends, c'était déjà cool. On sait que c'est possible de faire encore un petit peu mieux. Il faut juste arriver à mettre tout bout à bout. Mais la saison est encore longue. Hein. On n'a fait que 3 Grands Prix. Donc voilà, on est au boulot toutes les semaines. Et puis, sans oublier de prendre du plaisir, parce que sans le plaisir, les résultats viendront pas. Mais voilà, on s'éclate, on s'amuse bien. Et puis, bah rendez-vous déjà ce week-end au Portugal. Et en espérant quelque chose de solide. Ça marche, merci Merci Jordi. Jordi, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci Et à vous, ciao, ciao. à la semaine prochaine pour les autres. Salut à tous, bonne soirée. Salut!